Salut les amis, on se retrouve pour la partie 3 de Crazy Machine. Je vais me remettre un peu plus de son. Voilà, ça sera mieux pour le son. Donc on est sur la partie 3. On s'était quitté la dernière fois, bon, un peu à la hâte parce que j'ai dû quitter, j'avais un rendez-vous. Je pensais pas prendre autant de temps. Bref, on est toujours sur le niveau des engrenages et je viens de trouver la solution pour le niveau sur lequel je pêchais un peu. C'était, il fallait mettre donc l'engrenage doré ici. J'ai donc placé un engrenage ici, un petit là. Ça fait tomber ça et j'ai placé ça et ça fonctionne. Vous allez voir tout de suite ce que ça donne. Voilà, on fait tomber ça. Ici. Voilà. Et gentiment, il va aller tout au bout. Magnifique. Allez, maintenant, découverte totale pour celui-ci. Alors, on dirait que le contenu de ces barils est dangereux. Il ferait bien mieux de mettre celle-ci avec les autres. Je m'en occuperai plus tard. Donc, il faut qu'on mette ce baril. Prenez une corde dans l'inventaire et nouez-la au point orange en cliquant dessus. Voici les œillets des cordes. D'accord, j'ai compris. Donc, il va falloir, si je mets en route ça, il ne se passe rien. Ok. Alors, on prend une corde et qu'est-ce qu'ils disent de mettre au point orange. Ah oui. Comme ça. Et il se passe quoi? Ok. D'accord. Ah, il faut amener quelque chose là pour que ça frappe ici et que ça fasse descendre ça. Tous les coups. Donc là, il y a une histoire d'engrenage. Okay. Une histoire d'engrenage et la corde qui est là, il faut la prendre et la nouer. Je sais pas ici. Non, je vois pas trop ce qu'il faut faire là. Alors, on va prendre la corde. Alors, attends. Cette planche qui est là. Ici. Non, elle tombe. Ici, ça. On prend ça et ça, on va la mettre là, non? Attendez, je vérifie ici. Ouais, ça me semble bien. Maintenant, il y a une planche. À mon avis, c'est comme ça. Là-dessus, faut faire tomber ça là-dessus pour que ça cogne là et que ça tombe ici. Je pense que c'est la meilleure solution. Alors, attends. Il y a une histoire de corde. On va essayer comme ça. Voilà. Et je pense que là, c'est la bonne solution. Il faut juste que maintenant, la roue qui est là, il faut la mettre de telle manière à ce que ça engage. Voilà. Et c'est fini, c'est fait. Magnifique. Machine suivante. Un collègue voulait me tester, évidemment, que je sais comment faire s'envoler Harvey dans les airs. Je veux juste voir si vous êtes aussi malin que moi. Alors, voyons voir. Ok. Bon. Je regarde de nouveau. Ok. Il est très complexe celui-là. Faites s'envoler Harvey dans les airs. Alors, en fait, c'est le lapin qui est là. Il faut le faire l'envoler dans les airs, c'est-à-dire qu'il faut l'amener ici. Il faut le pousser pour qu'il arrive en haut. Et ben, ça va pas être coton. Ça va pas être coton. Alors, on va faire un ralenti. Ok, donc au niveau du ralenti, ça tombe. Ok, je reviens, je regarde de nouveau.
Ok. Et en fait, il faudrait ici que ça tombe aussi pour que la boule ne reste pas bloquée là. Il faut qu'ici qu'il y ait quelque chose qui bloque ça. Alors. Si je fais comme ça. Ah, il se passe rien. Ici. Voilà. Ok. Toc, elle tombe là. Et par contre, elle reste là. Alors. Comment on peut faire? Petit ventilo. Ici. On va le mettre en mode rapide. On va enlever le ralenti, voilà. Raté, c'est pas bon du tout. Donc le ventilo, il n'est pas là. On va le laisser là. Ça, j'ai peur que bah, la boule, elle va aller là, en fait. Ok, quel est le but? En fait, il faut réussir à pousser la roue qui est là. Faire pousser la caisse, faire tomber la caisse qui va faire tomber le lapin dans le seau. Et ensuite, il faudra faire monter le lapin. C'est chaud, cahouette. Ça, je vois pas trop l'intérêt. Je peux pas changer de sens des objets, c'est ça qui est chiant. Une corde. Donc au niveau des cordes, une corde là, une corde là. Ok, le seau il reste là, ça c'est sûr, grâce au ballon. J'essaie de comprendre le truc. Ça, à mon avis, il y a une roue donc crantée qui va en dessous et une roue qui va par exemple ici. Pourquoi, j'en sais rien, je sais pas encore. Alors, quand ça affiche jaune, c'est que c'est pas bon. En fait, il faudrait quelque chose qui percute ça. Ça percute le seau. Alors. Parce que faut que la trappe soit ouverte ici pour que le lapin tombe, que quelque chose percute ça et que ça envoie le lapin vers le haut. Mais pour ça, il faut que ça. Ça, j'ai peut-être pas besoin en fait de le mettre là. Attends. Ici. Comme ça. Non. En fait, j'espérais que ça tourne avec la présence du ballon, tout simplement. Attends, on va prendre le ballon là. On va faire ça comme ça. Ok, il se passe rien. Hmm.
Ça, je suis obligé de mettre ça là. Ça, montée et rotative, axe fixe. C'est quoi ce bins? Comme ça. Bon, aucun rapport, ça sert à rien. Ok. Ça aurait été mieux dans l'autre sens, que ça envoie la boule là, en fait, et que ça fasse tomber le lapin dans le seau. Il y a un truc qui va pas. La boule, elle me sert à ça. Donc un ballon sous une rotative comme ça l'envoie balader. Je suis obligé de mettre le ballon là, j'ai pas le choix. J'essaye de voir ce que je peux faire, mais c'est pas évident. Il va pas dans le bon sens. Alors, le but, c'est quoi? C'est que la trappe, elle s'ouvre. Le but de la trappe, elle s'ouvre, c'était ça. Ça, la trappe s'ouvre. C'est pas ça. Ça, la trappe s'ouvre. Voilà. Ça. Ça, la trappe s'ouvre. Ça, y a pas de problème. Maintenant, il faut que le lapin tombe là-dedans. Et que ça projette ça. En fait, ici, il faudrait quelque chose qui... C'est quoi ce beans? Attends, ouh, compliqué. Alors ça. Comment je fais pour que le lapin il tombe dedans, quoi? Ça, je peux pas le toucher, ça, je peux pas le prendre. Si je prends une des cordes là.
Mais c'est pas dans mon sens, ça va pas du tout. Putain, j'ai du mal là. Et ça peut bouger, ça, en fait. Tu vois, voilà, ça fait ça. Donc, c'est qu'il y a quelque chose à pousser, quoi. Je comprends pas. Pour moi, je le vois ici, hein, le machin. Je le vois là. Je le vois ici, hein, pour que ça pousse ça. Mais... pas comment. Ça me semble correct, hein. Pour laisser passer la pa pour laisser mes... Je vois pas comment je peux faire tomber la caisse. Je vois pas comment je peux faire tomber. Comme ça. Oh! Ok. Ok. Le lapin est là, mais ça ne bouge pas. Donc il faut quelque chose qui le... Ou bien faut le mettre au milieu, là. Juste au milieu, ici. Oui, ça fait bouger les deux. Génial. Ok. Donc, sa place, elle est là. Sa place, elle est là, c'est sûr. Ici, pour voir. Ouais. Ouais. Vas-y, 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 vas-y. Yes. Et là, il monte. Oh, je suis trop content. Allez, oh, le truc de fou. Le truc de fou, allez, on se la remonte. Clac. Le lapin dans la caisse, ça ouvre ça pendant que ça arrive là. Ça pousse un peu le lapin et ça monte. C'est génial. Franchement, magnifique. Bon, et ben on en a fait 10. Et on m'arrive... enfin, 10. Vous voyez ce saut, je parie que vous n'avez aucune idée de comment y faire rentrer ce ballon de basket. Ok, on a le saut, un ballon, des planches un peu partout. Si je mets ça en marche, ça se casse la figure et il se passe rien. On retente, vous voyez, ça tombe. Il se passe rien. Qu'est-ce qu'on a? On a une planche avec un œillet. Une corde peut être nouée et fixée. Trois cordes et une boule de démolition lourde. Oh putain. Ok, déjà, la balle de basket, là, il faut la faire bouger. Il faut la faire bouger. Donc on va prendre un ballon comme ça. Voilà. Boum. Au revoir. La balle, elle est partie, je sais pas où. Alors, la balle elle part par là. Est-ce que je peux pas bloquer avec quelque chose, n'importe quoi? Non, ça passe. Ok, on va prendre ça comme ça. Bon, en tout cas, le truc ça tient. Ok. Ensuite, il faudrait empêcher la balle de partir.
Ouais, c'est bon. Oh, presque. Elle saute là. Alors, attends. Attends. On va mettre un œillet, on va le mettre là. Je peux pas. Est-ce que je peux le mettre là? Ici. Et on va mettre ça. Oh. Merde, merde, merde. Dommage, hein? Dommage. Est-ce que ça a une importance, ça, ou pas de... Faudrait que je mette quelque chose pour bloquer là. Yes, yes, yes. Ok, elle doit aller dans le seau. En fait, il faudrait qu'elle arrive là. Ici. Faut qu'elle arrive là. Comme ça. Non. Comme ça. Non, elle saute pas assez haut en fait. À quoi ça sert de mettre des œillets là? Attends. Ici. Et mettre une corde là. Et la tirer là. Je peux pas parce qu'il y a la caisse qui est devant. Chier. Alors ici. Hein. Attends, il y a un truc là. Ça. Oh, il y a un truc à faire avec les œillets. Il y a un truc à faire avec ça. Je le pose là. On dirait que c'est sa place en fait. Je sais pas pourquoi. Voilà. Oh, mais c'était bon! Tout à l'heure, la balle était arrivée ici. Mais t'es dit, il faut ça rentre dans le seau. Là, ça fait tomber le seau. Là, ça me semble excellent. Ça semble être ce qu'il faut faire. Maintenant, il me manque juste un truc. Ça, je sais que ça tombe. Dommage. Attends, il y a une corde à prendre. Il y a une corde à prendre. À quoi ça sert ces deux œillets-là si je peux pas les mettre à quelque chose? Ah, c'est dommage, hein. Il manque pas grand-chose. Ça, c'était sûr. Ça, c'est une évidence totale. La corde, là, elle me sert à quoi, la corde? Ça, si je le place comme ça, je peux. Oups, putain, le truc a pété. La corde elle a pété là. Attends. Yes, yes, yes. Tchoutcha. Alléluia. Alors. Quel bon petit voyage, préparant le barbecue ici. Activez tous les ustensiles de cuisine et la lampe. Alors, conseil, vous pouvez brancher les prises en cliquant dessus.
une première fois. Ensuite, cliquez sur une prise de courant orange. Ça va également pour les prises des machines. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Activer tous les ustensiles de cuisine et la lampe. C'est-à-dire ça et la lampe. Une plaque chauffante. Un mixeur. Et une multiprise. Alors, attends. C'est ce truc. Plaque chauffante. Pour moi, je la mettrai en dessous. Voilà. Ensuite, je clique sur la prise. Il faut le brancher quelque part. Alors, attends. La lampe, ici. La lampe est branchée. Le mixeur. Alors, attends. Avant de brancher la lampe, la multiprise. Ça sur ça, ça, la prise ici. Attends, merde, ça marche pas. Je fais vraiment des trucs à l'arrache là. Voilà. Ah oui, ça croise, je peux pas. Attends. Attends. Ici. Ça croise. Ah oui, il faut pas croiser. Alors attends. Ici. Ça, ici. Ça. Ah, ça veut pas. Attends. C'est trop loin. C'est trop loin. Donc du coup la multiprise c'est pas sa place. Attends. Attends. Arcamache. Hop. Ici. La multiprise pour moi, c'est sûr qu'elle va là, quoi. Voilà. Il y a la lampe qui doit se mettre quelque part. Et la bouilloire et le, ce mixeur, ça, moi je le vois là. Je le vois ici. Putain, il est trop loin. Voilà. La lampe, ici. Ça marche pas. Ici. Et ça, ici. Oh, ça va, c'était facile. Ok, ça va, facile. Let's go pour la suite. Les pousses vertes. J'ai l'impression qu'il y a suffisamment d'eau, mais je crois bien que les fleurs ont besoin de plus de lumière pour pousser. Faites quelque chose. Allumez toutes les ampoules pour faire pousser les fleurs. Bon, déjà. Ok, les ampoules, elles sont là. Les fleurs sont là. Et il faut que je raccorde tout ça. En utilisant un système de prise. C'est quoi ça? Un engrenage de box. On a une ampoule, une multiprise et une multiprise. Alors ça pour moi, ce truc là, c'est quelque part par là. Mais l'engrenage là, il est embêtant. Attends. Attends. Ça, ça va tourner, ça va. Alors, on branche ça ici. Ça, on branche ça. Non, on branche ça nulle part. Alors. En fait. Ça. Comme ça. Un truc à l'arrache comme ça. Hop.
Voilà. Et ce truc-là, ici. Qu'est-ce qui va pas là-dedans? Putain. Qu'est-ce qui va pas là-dedans? Là, je merdouille. Là, je merdouille un peu. Donc, il faudrait que j'ai l'électricité là. À mon avis, ça fait tomber sur ça, qui fait tomber le lapin, qui fait tomber ça. Attends, je comprends pas là. Là, il y a une ampoule. Donc là, j'ai mis une ampoule ici, ok. Et là, je me retrouve avec deux multiprises et je sais pas quoi en faire. Je tire au maximum. Je tire au maximum. Ça, on va le débrancher. J'ai trop loin. Si, c'est bon. Sauf que il y a le plateau qui gêne, c'est pas ça. Merde. Qu'est-ce que c'est que ce souk? J'ai du mal à comprendre. Ça, c'est une batterie solaire, une batterie électrique. Et automatiquement, il faut relier des machines, soit l'un, soit l'autre, quoi. Attends. Ici. Mais le problème, c'est que il n'y en a pas à comprendre. Ah, attends. Après, il n'y a peut-être pas besoin de tout brancher, hein. C'est peut-être. Mais en tout cas, ça, il faut brancher, quoi. Je comprends pas, je comprends pas, je comprends pas. Ça, c'est obligé que ce soit branché à une prise. Obligé, il n'y a pas le choix. Ça, il faudrait qu'il soit branché là, mais j'ai pas de place. Alors attends. Et à cause du plateau, je peux pas le brancher. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Alors attends. Ah, puis je peux pas l'étendre au maximum, hein. Ça a vraiment une portée limitée.
D'où la deuxième. C'est horrible. Attends. Ok, je t'ai pas demandé de la faire tomber la prise. Ok. Je comprends rien. Ah, je comprends pas là par contre. Ah, là j'avoue ne pas comprendre ce qu'il faut faire. Là j'avoue ne pas comprendre. Écoutez, c'est pas grave. On y viendra à notre coup. On y viendra à notre coup. Donc je suis arrivé là. Niveau 17. Alors pour voir où est-ce qu'on en est hein, en tout. Attends, faut venir là. Où est-ce que c'est? Campagne. Revenir à ma chaîne actuellement. Campagne. Autour du solo. Voilà, on a fait les 8 niveaux d'introduction lors de la première du truc de découverte. On a fait les engrenages, les cordes et les ballons. On y est là. Et là, on est dans l'électricité, la lumière et le vent. C'est un des 6 premiers niveaux de la campagne. Et il y a 80 casse-têtes. Une fois que j'aurai fait les 5 niveaux sur l'électricité, la lumière et le vent, bah, on fera le laser et les foudres. Ensuite, ça sera un truc sur la gravité et la radio. Ensuite, ce sera sur les développeurs de solutions, les experts des machines, l'as de l'ingénierie. Donc tout ça, c'est censé être facile, hein. Ok? Alors, je ne vous dis pas le niveau moyen, encore moins le niveau difficile, le niveau spécial, le niveau prodige, qui est quand même waouh! Et on a aussi d'autres niveaux qu'on n'a pas encore vus. J'ai bien envie de faire ça, le Fisher Technique, pour voir ce que c'est. On va tester, tiens, je connais pas. Vous voyez les étoiles, ce sont des points de contrôle. Terminez le parcours afin que chaque étoile de point de contrôle soit atteinte par une balle en acier. Ok, là si je lance le parcours, la bille, boum, elle tombe. Okay. Donc il faut mettre des rampes. Ah ok, on construit. Alors attends. Comme ça par exemple. C'est quoi ça? Ok. Ah mais elle se casse la gueule les rampes. Hein. Attends. Ça se casse la gueule aussi. Ah, ah il faut les fixer, c'est comme des Lego. C'est comme des Lego. Attends, 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 attends. C'est comme des Lego. Attends, 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 attends. Ça. Comme ça, voilà. On fixe comme un Lego. J'ai compris. On lance la balle. Ok. Donc ça. On fait ça et on y va. Ok. Et ok. Ok. Pas trop compliqué. Parcours d'obstacle simple numéro 2. Vous voyez, les étoiles sont des points de contrôle. Terminez le parcours afin que chaque étoile de point de contrôle soit atteinte par une balle en acier. Ok, c'est plutôt sympa ça. Hein. Alors la balle, elle est où? Elle est là. Elle va descendre là. Pour obtenir une bonne vue d'ensemble du parcours, maintenez le bouton central de la souris tout en la déplaçant. D'accord, ok. Alors. Alors, on va faire. Alors, si je cratche ça. Non, ça n'a pas l'air d'être bon. Hein. On va faire ici. On la met comme ça. Ensuite, alors, il faudrait que j'arrive à la mettre, à la poser. Attends.
On va mettre ça de côté. Ah, ça tombe. Ah oui, ça tombe parce qu'il faut qu'il y ait un point d'attache. Il faut qu'il y ait un point d'attache. Alors, attends. Il faut qu'il y ait un point d'attache. Alors, la balle, elle est là. Il faudrait réunir ça. Il faudrait réunir les deux, là, comme ça. Attends. Ça, c'est pas bon. Ah bon. C'est sympa hein, comme jeu, franchement, moi j'aime bien. Hein. Ah. Non, ça me semble pas bon. Non. Si ça se casse, si ça se casse la figure, c'est que c'est pas bon. Non, pas bon. Donc c'est pas un truc comme ça. Un grand alors. Ah, peut-être. Peut-être, peut-être. Ah, dommage. Dans l'autre sens alors du coup. Voilà. Ouais, dans ce sens-là. Voilà. C'est bon ça. Et du coup, il faut remettre un. Là, pour moi, c'est le petit. Voilà, comme ça. Voilà, comme ça. Et celui-là, il va se mettre là. Et là, je pense qu'on est bon. Allez, on regarde. Ok, ça passe. Ça passe, ça passe, ça passe. Et ça va jusqu'au bout. Ok, let's go. Parcours d'obstacle 5, numéro 3. Vous voyez, les étoiles sont des points de contrôle, etc. On a compris le système. Donc, la bille, elle part de là-haut. Ici. Si on la fait tourner, la bille, elle tombe là. Elle passe par une étoile. Elle passe par une deuxième, et là, elle tombe. Donc... Ça c'est quoi ça, rail courbe? Oh, pas bon ça. Ça n'a pas l'air d'être bon. Ça n'a pas l'air d'être bon non plus. Ça non plus. Ah oui, ça c'est bien ça. Hop. On regarde. Ok. Ok, ok, ça arrive là. Bon. Ok. Donc ça va bien en dessous, là. Ça tombe bien, mais. Attends. C'est pas ça. Comme ça, peut-être. Ouais. Ok. Et du coup, il manque juste un, c'est-à-dire ici, en le bougeant de sens, tout simplement. Voilà. Et là, je pense que ici, au niveau de notre construction, on est good. C'est parti. La boule, elle tombe, elle tombe. Ok, super. Nickel. Machine suivante. Oh, j'aime bien, ça me change un peu mes engrenages et mes trucs, c'est un peu plus simple ça. C'est pas mal, franchement c'est bien. Alors le niveau suivant c'est quoi? Parcours d'obstacle 5.
Alors, qu'est-ce que... Oula, putain, il y a plein de choses. Donc ici, on a notre bille qui est tout en haut. On va mettre en marche pour voir ce qui se passe. Ok, et elle tombe. Qu'est-ce qu'on a de nouveau? On a des pièces de raccord rouges. Qu'est-ce qu'on a de nouveau? Des poutres 4 trous. Ah, des poutres pour tenir comme ça. Oh là 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 là, ça va être chaud. Ça va être chaud. On a quoi? Des rails courbes à des 180 degrés. Donc tu vois, ça n'a pas trop d'intérêt. Qu'est-ce qu'on a? On a des rampes qui descendent comme ça. Ouais. Attends. Que j'essaie de voir. Ah oui, ça c'est pour. Ok, j'ai compris. Comme ça. Mettre. Attends, comment ça marche ce truc? Comme ça. Avec un raccord. Oh mon Dieu. Attends. Voilà. Ensuite. Oh mon Dieu. Ah oui, non, là, c'est autre chose. Là, on arrive à un autre niveau de difficulté, mais largement quoi. On arrive à un niveau de difficulté qui est différent. Ah ouais. Ah ouais. Alors attends, la fin c'est ça. Comme ça. Là il y a un truc qui manque là. Ici. Là je suis sûr qu'il y a un truc. Mais non, arrête, prends-le bien comme il faut. Voilà. C'est sûr que là, ça fait ça. Donc si on fait dans l'autre sens. Ici à là, il manque un passage. Au cours. Sympa, mais trop. Voilà, plutôt comme ça, moi, je dirais. Voilà, avec. Ensuite, ça passe en dessous. Ça va là, ça va au-dessus. Là, il manque un truc là. Là, clairement, il manque quelque chose là. Donc, prise de raccord ici. Tu vois, genre un truc comme ça. Attends. Attends. Voilà. Attends, il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas. En fait, il faut faire un pont entre ça et ça. Je pense. Tu vois, il faut un pont. Comme ça. Une prise de raccord. C'est chaud. En fait, tout le bas, c'est bon. En fait, ce qui m'embête, c'est cette partie-là. Voilà. Cette partie-là qui fait qu'après tout le reste, c'est bon, c'est nickel.
Moi, je pense que ça fait ça comme ça. Qu'il y a quelque chose à mettre en dessous, voilà, ou dessus, peu importe, on tape. Juste pour moi tester. Ah putain. J'étais persuadé que ça allait tenir en fait. Alors attends. Voilà. Voilà. Une prise de raccord là. J'espère hein, que c'est ça. Juste pour tester. Non, ça tient pas. Putain. Ça se casse la gueule. Ça se casse la figure, ce truc. Alors, attends. Pas possible que ça soit dans ce sens-là. Comme ça, oui, ça je veux bien le croire. Pourquoi c'est ce que ça figure? C'est ça qui me perturbe. À moins que il n'est pas dans le bon sens. Voilà. J'essaie de bien le mettre. Comme ça. Non! Là, ça me semble bien. Putain, ça se pète la gueule, j'aime pas. C'est quoi ça? Des pièces de raccord rouge. Je suis obligé de mettre des pièces de raccord pour que ça tienne. Qu'est-ce qui va pas? Comme ça. Ce qui m'embête, c'est. Il y a un truc qui va toujours pas. Il y a un truc qui va toujours pas. Il y a une pièce de raccord qui va pas. En fait, il manque encore, hein. Il manque un truc là. Ah, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là. Ici. Ça serait bien si ça tient, ça serait magnifique. Alors, par contre, attends. Ça, c'est pas dans le bon sens. Voilà. Voilà, comme ça. Qu'est-ce qui va pas avec les deux là? Comme ça. C'est pas bon ça? Je tente. Pourquoi ça tombe? Pourquoi ça tombe? Parce qu'il n'y a pas de pièce de raccord là. Je pense. Parce qu'il manque une pièce de raccord. Il manque une pièce de raccord. Juste pour moi tester. Je pense. Hein. On met une pièce de raccord ici. On place notre truc. Pourquoi il y en a trois là? Ici. Je mets en route. Ah putain.
Alors, qu'est-ce qui va pas? Ça, pour moi, c'est obligé que ça soit là, quoi. Obligé. Ici. Non! Pourquoi tu tombes? Pourquoi tu tombes? Attends, il est posé au niveau du raccord. Hein. Pour moi, un raccord, ça permet de d'ancrer pour pas qu'il se casse sa figure, justement. Je comprends pas pourquoi il se casse la gueule. Bon, bah les amis, ça resterait une énigme, ça. Mais c'est plutôt sympa, hein. Et en plus, ils disent que ça fait partie des niveaux simples. On a les niveaux moyens et les difficiles. Vous voyez, c'est à peu près comme tout à l'heure. Donc on a vu le jeu en 80 casse-têtes. Bon, voilà. On a le ficheur technique qu'on a fait. Et puis, on peut aller voir les mini-jeux, là. Je sais pas ce que c'est. On va tester ça pour voir. Allez, on essaie de découvrir le jeu un peu plus. Qu'est-ce que c'est que ça? Guidez le bateau jusqu'au point de contrôle indiquant la couleur correspondante. Chaque point de contrôle résolu augmentera votre score par le nombre de secondes restantes. Défiez la communauté. J'ai rien compris. Alors. Amenez le bateau jusqu'au point de contrôle indiquant la couleur correspondante. Amenez le bateau jusqu'au point de contrôle indiquant la couleur correspondante. Hein? Attends. Je comprends rien. Attends. Moi, il faut amener le rouge au milieu, c'est ça? Alors, attends. J'ai rien compris. J'ai rien compris. J'ai rien compris. Le score, mes amis, j'ai rien. 10 meilleurs scores. Ok. Ouais, mais j'ai rien compris. Alors ça, c'est quoi? Attirez-vous les regards. Voyons voir. Essayez de cliquer sur le bouton gauche de la souris. C'est un maximum d'yeux ouverts pendant le temps imparti. Soyez certain que la communauté aura le regard posé sur vous. Ok. Donc je dois cliquer sur les yeux ouverts. J'en vois pas d'autres des yeux ouverts, moi. Ah! Oh putain! C'est des yeux rouges ou des yeux verts? Qu'est-ce que c'est que ce jeu débile? Alors, hop. Bientôt fini. Comprends rien. Alors, 10 meilleurs scores. Le 27 points. Ouais, Jacques Guillaumeau. J'ai pas tout compris. Un autre défi dextérité. Essayez de guider la biche jusqu'au point de contrôle activé dans le délai imparti. Chaque point de contrôle augmente votre score par nombre de secondes restantes. Ah, attends, c'est quoi ce bordel? Ah oui! Donc il faut amener la bille. C'est rigolo parce que c'est des mini-jeux dans les mini-jeux, quoi. Voilà. Oh putain, faut pas tomber. Oh de la merde. Il faut aller où? Ah oui, au milieu là. Descends ici, juste là. Voilà, descends, passe, passe. Ah, je suis tombé! Non, je suis tombé! Ah, shit!
Mais c'est chaud quand même. Il me reste plus que 5 secondes. Bah c'est... Waouh! Mais c'est rigolo, hein. Franchement, c'est pas mal. Des créatures malfaisantes attaquent. Il suffit aussi longtemps que possible d'abattre autant d'ennemis que possible. Ok. Ah, tirer ses barres d'espace. Ah, c'est un jeu de. C'est un jeu de. Ok, allez, laisse tomber. Ok. Assistant du Père Noël. Appuyez sur le bouton de couleur adéquat pour produire le cadeau nécessaire et l'acheminer vers le point de disposition situé à droite. Mais c'est pas tomber le Père Noël et sauver Noël. Combien de cadeaux vos amis ont-ils distribué? Ah. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il comprend rien. Il comprend pas. Voilà. Voilà, là j'ai pris un cadeau. Vite avant que... Ah là, ici. Ah c'était bon, j'avais réussi. Oh c'est le bordel. Attends, la pince. Allez, on vole. Ah putain. Oh, c'est horrible. C'est horrible. Alors, on va chercher un cube. En fait, j'ouvre ma pince. Je referme la pince. Voilà. Oh putain. J'ouvre la pince. Allez. Je ferme la pince. Et là, il faut aller tout en haut. Non, ferme pas. Putain. Ah, c'est horrible. C'est franchement horrible. C'est horrible. Allez. Ok. Là, c'est pas mal. Hein. Tous ces petits niveaux-là, c'est quand même des petits niveaux marrants. Donc ça, c'est des mini-jeux. Sympa. Donc on a vu ça. On a vu les mini-jeux. On a vu Fisher Technique, ce que c'était. L'Experiment. Bon, c'est des choses à faire. Je pense qu'on va s'arrêter là. Hein, parce que là, j'ai le cerveau qui bouillonne. On va peut-être en faire un ici pour voir. La sécurité aéroportuaire est un sujet très sérieux. On sait jamais ce que les gens cachent dans leur valise. Nous ferons donc mieux de scanner celle-ci 5 fois. Donc, activez le compteur 5 fois. Qu'est-ce qui se passe? Ok. On a des valises. On a un téléporteur. Première partie téléporteur. Seconde partie pour fonctionner. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Tapis roulant. C'est ouvrir la porte des tapis roulants. Activer des pinces. J'ai. J'y comprends rien. J'y comprends rien. Franchement, là, j'y comprends, coach. Attends. Ok, ça passe. Ah oui, et ça va le re-téléporter là. Alors attends. Attends. Là. Donc ça le scanne une fois. Il passe là. C'est téléporté. Et c'est reparti. Nickel. Et voilà.
Magnifique. Magnifique. Tip top. Bon, c'est une histoire de. Voilà, donc ça continue. Donc il y a quand même pas mal de choses, hein. Franchement, c'est très bon jeu. Au niveau du workshop, bah, j'en ai pas pris, je crois, au niveau du workshop. C'est vrai que je voulais voir ce que c'était. Inventer, on a vu. Donc on a vu ça, transport, ça. Effroyable spectacle. À mon avis, on va en faire un facile ici. On va faire celui-là, que le spectacle commence. Et puis on terminera cette vidéo, parce qu'il faut bien que je m'arrête. Quelqu'un m'a envoyé une invitation mystérieuse pour un spectacle secret ce soir au Red Rideau en appuyant sur le bouton pour commencer le spectacle. Ok, donc ça reprend des éléments en fait que je connaissais avant, les ballons. Qu'est-ce que c'est que ça? À mon avis, celui-là, je vais pas le faire. Je vais pas le faire aujourd'hui. Je suis fatigué. J'ai plus envie de calculer. Bref, c'était pour voir. Bon, il y a plusieurs niveaux quand même qui nous attendent. C'est quand même sympa. Donc il y a tout ça. Il y en a 80. Donc il m'en reste quand même pas mal. Hein. J'en ai fait 8. J'en ai fait 15. J'en ai fait 16 sur les 80. J'en ai fait 16 sur les 80. Les trucs d'acheminement, j'en ai 10. Donc en gros, il y a 80 plus 10, 90. 90, c'est 10, 100. 100 et 7, 107. 107 et 12, 119. 119 et 524. Donc vous avez 124 niveaux pour tout le jeu, sans compter ce que vous allez voir dans le workshop pour télécharger quoi. Bon, c'est plutôt pas mal. Allez, sur ce les amis, moi je vais vous laisser, je vais regarder quand même là, c'est marqué quoi? Ouais, ça c'est ce qu'on a vu. Tous les petits jeux qu'on a fait là avec la bille, les mini-jeux, le fait de tapis roulant, le truc du théâtre, il y a ça. Et puis vous avez d'autres niveaux qui sont là. Est-ce que je peux les prendre par exemple celui-là? Est-ce que si j'appuie sur celui-là? Ok, donc ça vous ne voyez pas, c'est le workshop. Je peux m'abonner pour le télécharger. D'accord, j'ai compris. J'ai compris. En fait, quand je clique dessus, j'ai la page workshop qui s'affiche. Tout simplement. Et si je fais plus, évidemment, j'ai le workshop qui s'affiche. Donc, à vrai dire, une fois que vous avez terminé vos 124 niveaux, déjà, ça prend du temps. Vous avez des gens qui ont créé des niveaux pour vous, pour pouvoir y jouer. C'est plutôt sympa. Au niveau de la durée de vie, c'est quand même pas mal. Allez, sur ce, les amis, moi je vous laisse. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Et puis on se voit sur un prochain Cozy Machine. Parce que franchement, j'aime beaucoup ce jeu. Ça propose de la variété. C'est de la réflexion. Au bout d'un moment, il y a le cerveau qui fume. Mais sinon, c'est pas mal. Allez, merci les amis. Salut, ciao, ciao. Bye bye.